Gloire à Dieu tout le monde. Alors, pourquoi ne pas s'élever dans cette merveilleuse présence du Seigneur et le reconnaître au milieu de nous. Alléluia. En battant des mains, en criant Alléluia, en gesticulant, se tournant, ceux qui peuvent se rouler par terre, vous pouvez le faire, c'est légal aujourd'hui. Alléluia. Gloire à ton nom. Seigneur, nous te louons, nous te rendons grâce encore une fois. Nous te remercions encore, Papa, pour l'occasion que tu nous donnes encore de nous rassembler devant toi. Nous bénissons ton Seigneur à jamais. À jamais tu es Dieu. À jamais tu es assis sur le trône. À jamais tu veux encore éternel Dieu de gloire. Nous mettre à un autre niveau avec toi, Seigneur. Papa, tu nous sauves, tu nous laves de nos péchés, tu nous laves de nos iniquités, éternel Dieu tout-puissant. Tu nous conduis dans le même pâturage. Seigneur, nous t'adorons, nous te louons. Ce soir encore, Papa, nous voulons te reconnaître au milieu de nous. Gloire soit rendue à ton Seigneur, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci de cette merveilleuse présence. Gloire soit rendue à ton Saint-Nom, Seigneur. Ce soir, peuple de Dieu, nous sommes rassemblés encore une énième fois ce soir pour reconnaître le Seigneur parmi nous. C'est pourquoi la Bible nous dit dans le livre de 1 Chronique au chapitre 16, peuple, louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses refaits, chantez, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles, glorifiez-vous de son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a faits, des miracles, des jugements de sa bouche. Ô peuple de Dieu, ce soir, c'est ce que l'Éternel nous commande. Alléluia. Louez l'Éternel et invoquons son nom ce soir. Amen. Alléluia. Continuellement, Seigneur, tes hauts faits.